Marie-Hélène, un grand merci à toi de nous accueillir chez toi ce 31 août 2020. Notre métier a vécu des transformations absolument majeures en France au niveau de son paysage institutionnel et tu as été l'une des artisans de cette transformation. Et à ce titre, j'aimerais beaucoup que nous puissions faire un point sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois parce que vraiment le paysage institutionnel du métier de coach professionnel et de superviseur a beaucoup évolué et en plus, il va arriver un certain nombre de choses dans les semaines et mois à venir. Mais avant de revenir plus précisément sur ces transformations, ce qui m'intéresserait déjà, tu le sais, en tant que coach professionnel, nous aimons beaucoup découvrir un petit peu qui sont les personnes avec qui nous échangeons, c'est que tu nous dises quelques éléments saillants de ton parcours en fait. Qu'est-ce qui fait que finalement Marie-Hélène Digny est là aujourd'hui parmi nous ? Eh bien, c'est une longue histoire, Gabi, puisque effectivement, j'ai eu, comme beaucoup de coachs, une première vie professionnelle. J'ai été formée donc dans une subdeco, j'ai commencé ma carrière dans les métiers de la finance où j'ai travaillé une quinzaine d'années. Et puis à un moment donné, il y a maintenant près de 20 ans, j'ai souhaité opérer une reconversion professionnelle pour devenir effectivement coach. J'ai aussi suivi un certain nombre de formations on va dire dans tout ce qui est accompagnement, donc ça peut aller de la psychanalyse à la PNL ou d'autres spécialités. Bon. Et puis très vite est né le souhait d'enseigner aussi cette matière et donc j'ai créé une école, il y a maintenant un certain nombre d'années. C'est quelque chose qui a beaucoup changé mon existence, qui a été très important pour moi. Est-ce que tu peux me donner un ou deux éléments comme ça qui ont été vraiment pour toi un peu des points de bascule en quelque sorte d'arriver à ces métiers de l'accompagnement ? C'était tout simplement effectivement le fait que pour moi, tout ce qui était chiffres, ça avait un côté rassurant, mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup d'humains. Donc j'avais vraiment besoin de davantage de contact humain et puis d'avoir un métier qui ait du sens. Et pour moi, aider les personnes qui sont dans des passages parfois un petit peu plus compliqués de leur existence, notamment professionnelle, eh bien ça a du sens. Et indirectement, quand j'enseigne, ça continue à avoir du sens. Merci Marie-Hélène. Du coup, tout cela, ça t'a amené finalement à occuper progressivement des fonctions clés dans notre métier. D'ailleurs, nous sommes rencontrés, par hasard, non, parce que c'est mon prédécesseur, maintenant je suis président de l'MCC France, et mon prédécesseur Thierry Gache m'avait dit, tu sais, nous avons une personne absolument remarquable dans les équipes, qui est Marie-Hélène Digny, et qui pourrait faire ce dont il rêvait, et qu'on a réussi finalement à faire tous les deux, c'était vraiment de faire en sorte que les écoles fassent complètement partie du paysage. Est-ce que tu peux me dire du coup comment ça s'est passé quand on a lancé cette commission école que tu as pris à bras-le-corps ? Alors, remarquable, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que je crois dans ce métier. C'est vraiment quelque chose qui a du sens pour moi. Effectivement, j'étais décidée à aider le MCC à l'époque pour les écoles parce que les écoles sont aussi des organismes de formation. Et elles se sont retrouvées effectivement, comme tous les organismes de formation, en difficulté à partir de la réforme de 2014. Et j'ai accepté effectivement avec joie la mission que Thierry Gache m'a confiée, qui consistait effectivement à rassembler les écoles au sein de l'EMCC. Oui, ça a été un travail absolument formidable parce que je me souviens que, comme souvent quand les équipes se montent un petit peu, on avait une sorte de collection d'individus, des gens qui n'avaient pas pris l'habitude de se parler, même si on partageait un même métier, une même passion. Et puis tu as réussi petit à petit à faire en sorte qu'ils commencent à dialoguer entre eux, qu'ils se mettent au travail ensemble et qu'il y ait bien une différence entre le marché au quotidien qui est concurrentiel, bien sûr, c'est tout à fait normal, et puis cet engagement pour le métier qui est un engagement collectif. Vous avez fait un travail d'intelligence collective remarquable là-dessus. Oui, c'était effectivement mon enjeu à moi, c'est-à-dire de dire mais on reste concurrent sur le terrain. Pourtant, il y a des endroits où il est bon, utile de se rassembler, comme pour défendre le métier ou tout simplement répondre à toutes les obligations administratives que nous avons. Donc voilà un petit peu en quoi a consisté ma mission et c'est vrai que j'en suis relativement fière puisque au bout de quelques années, les écoles se parlent régulièrement, se rassemblent et dès qu'il y a une difficulté qui est rencontrée, effectivement, on est tous soudés pour faire face à cette difficulté, tout en restant dans une saine concurrence sur le terrain. Oui, je me souviens d'ailleurs qu'en 2014,
Ben, il n'y avait pas d'école adhérente à l'UMCC, ce n'était pas dans l'esprit. Et puis ben, maintenant, on est en 2020, on a plus de 32 écoles oui. hein, qui travaillent, qui dialoguent en permanence entre elles. Voilà. Donc c'est une voilà. composante majeure de ce métier, merci. Du coup, tu as évoqué aussi une année un peu charnière, l'année 2017. Est-ce que tu oui. peux nous éclairer pourquoi ? L'année 2017, effectivement, c'est une année où, ensemble, on s'est posé la question de comment faire en sorte que ce métier soit représenté, notamment auprès de l'État et auprès des institutions. Effectivement, nous avions des fédérations françaises ou internationales, comme l'UMCC, comme l'ICF, comme l'ASF Coach, mais nous reviendrons sur la fonction de ces fédérations. Mais nous n'avions aucun organe à l'époque qui représentait d'une seule voix et de manière vraiment institutionnelle, oui. c'est-à-dire sous une forme syndicale, notre métier auprès des pouvoirs publics et de l'État. Voilà, tout à fait. Et donc après, ben, un certain nombre de recherches, hein, puisque à l'époque, notamment un label qualité commun avait été évoqué, je me souviens. Et après avoir activé effectivement mon réseau un petit peu dans tous les sens, à un moment donné, effectivement, une opportunité s'est présentée d'être représentée, cette fois-ci dans une branche professionnelle. Ça a été ensuite un long chemin hein, pour rejoindre cette branche professionnelle, puisque bien, ce qui a rapidement émergé, c'est qu'il fallait effectivement créer un syndicat qui représente donc les fédérations, les organisations qui représentent le métier de coach et le métier de superviseur. Et donc, peu à peu, l'idée de CIMAX est née. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler en deux mots ce que veut dire CIMAX ? S-I-M-A-C-S. Alors, Syndicat Interprofessionnel des Métiers de l'Accompagnement, Coaching, Supervision. Merci. Donc, peu à peu, l'idée est née. J'ai eu aussi, je dirais, vraiment la chance de rencontrer des interlocuteurs, je dirais, qui ont rapidement compris les enjeux. Alors, toi, évidemment, au niveau de l'EMCC, mais aussi au niveau de toutes les autres associations, oui, hein, organisations, voilà. ICF France, SF Coach. PSF, SIMPAC, qui sont voilà. les autres membres et qui tout de suite, effectivement, ont dit « nous sommes tous partants ». On y va, ils ont vraiment compris rapidement l'enjeu pour le métier. Et même s'il y avait des divergences, des points de vue parfois différents, eh bien, voilà, elles sont allées très très vite, en fait, vers un rassemblement. Alors après, ben évidemment, le temps de créer tout ça, ça prend quand même un certain temps, négocier les statuts de CIMAX, etc. Donc, ça nous allait finalement assez vite. Voilà, hein. d'une idée qui naît en 2017, on trouve une piste en 2018, et le 27 mai 2019, le CIMAX est né officiellement. Que j'avais été aussi à l'impulsion de, je dirais, toute cette création, eh bien, je suis la première présidente de CIMAX, donc depuis le 27 mai 2019 jusqu'au 31 décembre 2020, puisqu'il est prévu une présidence tournante voilà. qui fait tourner les associations, en fait, avec un renouvellement tous les ans. Et on a fait simple, parce qu'on a pris par ordre alphabétique. Donc, et on a fait première simple. Année EMCC, deuxième année ICF, voilà. troisième année PSF, quatrième année SF Coach et cinquième année SIMPAC, et puis ça repartira. Il y a probablement peut-être d'autres organisations qui nous rejoindront, mais on a fait finalement très simple. Et voilà. C'est super. Est-ce que du coup, maintenant, tu peux nous dire finalement quels sont les enjeux de CIMAX pour demain ? Alors, les enjeux de CIMAX pour demain, c'est vraiment de représenter et défendre le métier. Ce qui est vraiment très important, notamment auprès des institutions, auprès des pouvoirs publics. Le métier, il a une trentaine d'années maintenant. Et je t'ai entendu dire un jour, effectivement, que d'un métier émergent, il était temps qu'on devienne un, entre guillemets, vrai métier. Donc, être, entre guillemets, un vrai métier, ça veut dire être représenté auprès des syndicats patronaux, des syndicats de salariés. Ça veut dire être dans une branche professionnelle et ça veut dire demain avoir un code NAF et un code ROM.